Bonjour la Matisse & Co Family, Kitchen and Cuisine of toute la bouffe, parce qu'on sait très bien qu'ici on aime se régaler. Nouvelle séquence sur cette chaîne, nouveau projet, la nourriture, la bouffe, les recettes. Alors aujourd'hui, un indispensable, une merveille, les pancakes que tout le monde aime bien, surtout au Canada. Scott, tu mangerais bien tes pancakes? Non, j'allais pas faire l'accent, ça sert à rien d'aller jusque là, on rentre dans un délire qui est pas bon. Il est minuit. Ça marche aussi, tu sais, si t'as faim des fois. Minuit, 1h, 3h, 6h, 24h, ça n'existe pas, on se régale. Bon, il vous faudra plusieurs ingrédients. Déjà, du beurre, très important, du beurre fondu. La liste exacte des ingrédients est dans la description. Hein. Du sucre, de la farine, 3 œufs, c'est pour 5 personnes, hein. C'est une recette pour 5 personnes, je vous le dis. De la levure chimique, du lait, et une petite touche de rhum, c'est ma touche personnelle car on aime bien l'alcool. Allez, dézoome un peu parce que c'est trop proche. Alors, on va commencer très simplement par mélanger grossièrement le sucre, comme ça, et les œufs. On va couper les œufs. Enfin, on va casser les œufs. Hop. Un œuf. Tac tac. La cuisine, c'est un peu ça, c'est un art de vivre. Hein. Faut y aller franco, il faut se dire la vie, c'est ça. La vie, c'est la cuisine. On aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, on n'écoute pas les autres, s'il vous plaît. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il faut être vif. Efficace. On prend tous les œufs, on ouvre le placard, on jette à la poubelle, on se rince un peu les mains parce que c'est dégueulasse. Personne n'aime avoir la sensation des œufs sur les bras, sur les mains. On se sèche les mains, évidemment, et on reprend. Avant de faire la cuisine, on se lave les mains, les amis, sinon on est un gros porc. On continue, on y ajoute le beurre fondu qu'on peut mettre au micro-ondes dans une petite poêle, vous débrouillez, hein, vous faites votre vie. Hop, on balance le beurre, voilà, ça c'est beau. Ça c'est quelque chose qu'on aime, ça. C'est gourmand, c'est croquant. Mais c'est pas trop sucré, la dose de sucre est quand même très faible, ça va. Et maintenant, on va mettre la levure. Donc vous en mettez... les doses sont dans la description, mais on va dire un petit sachet. Comme ça. Hop, ça c'est beau. Ça c'est l'art de vivre. Oh, et attendez, là, vous voulez... La cuisine? Vous croyez qu'on rentre comme ça dans la cuisine d'un chef, comme ça? Non mais, on est où là? Allez, file d'ici. Non mais... Voilà, ça c'est pour les pancakes, c'est pour demain. Alors ensuite, on continue. Et on y rajoute la farine progressivement, tout en mélangeant normalement avec un fouet. Mais là, on n'a pas de fouet, donc on fait comme on peut. Hein. On est là, on mélange, on balance. Et là, il n'y a pas de... Tu vois, la vie, c'est un peu ça. La vie, c'est un peu un long fleuve tranquille, quoi. Mais jonché d'embûches. Tu crois que t'es là, tu crois que t'es bien, t'as une cuisine équipée, mais t'as pas de fouet. Donc tu fais comme tu veux. Et là, tu rebalances un peu de farine comme ça, tu vois. Il faut que ça fasse une belle pâte homogène, tu vois. Pour bien qu'on se régale demain matin. Voilà. On met que la moitié de la farine, hein. On met pas tout. Parce que sinon, laisse tomber. Voilà, une fois qu'on a mis, hop, à peu près la moitié. Bon, c'est pas tout à fait la moitié, mais vous savez, l'œil c'est un calcul aussi. Hein. Tout se fait comme ça, quoi. Une fois qu'on a fait à peu près la moitié, on continue, bien évidemment. On veut un truc beau, on veut pas un truc dégueulasse. Un truc que je vous conseille aussi, que j'ai pas fait, mais parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas que ça à foutre non plus dans la vie. Vous pouvez mélanger la levure et la farine ensemble avant de les mettre dans la pâte. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous prenez un peu de lait. C'est bon pour la santé, laissez du lait sans lactose parce que sinon j'ai la chasse toute la nuit. Et là, on verse comme ça un peu de lait et on remet un petit peu de farine comme ça. On parsème, un peu comme du parmesan sur des pâtes, tu vois. C'est ça la vie. Hop, et on remélange. Olé, j'en fous partout. C'est aussi ça la cuisine. La cuisine, c'est de la science, c'est de la chimie, mais c'est aussi être un gros cradin. C'est normal. Oh, les plans, c'est les meilleurs plans du monde. Je te jure. Celui-ci est pas mal. Hop, on verse le lait, évidemment, tout en mélangeant. Alors ça, c'est mieux d'être à deux. Je vous conseille, si vous êtes avec des enfants que vous voulez les faire faire, bien évidemment, vous mettez avec eux. Hein. Vous ne laissez pas votre enfant de 5 ans à la cuisine, foutre le feu avec la poêle. Évidemment, alors là, on a des grumeaux, on croit qu'on a des grumeaux, mais la vie, c'est pas, que des réussites, hein, vous savez. Hop, vous pouvez faire comme ça une technique si vous n'avez pas de fouet, vous prenez la cuillère comme ceci. Regarde, montre ça un peu. Là, tu vois, il y avait des grumeaux, il n'y en a plus parce que t'as pas vu, mais... Et tu fais comme ça. Tu parsèmes comme ça. Tu parsèmes. Et ça, ça permet d'enlever les grumeaux. Hop, on rajoute la farine. On essaie de la mettre progressivement. Putain, mais oh, mais c'est pas une cuisine, c'est un moulin ici. Ils rentrent, ils sortent. On sait pas ce qu'ils font. On espère juste que c'est seulement dans la pièce qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Bon, allez, c'est dégueulasse. Toujours partir sur des vannes sexuelles pour faire un maximum de vues. Et là, on met tout le lait. Parce qu'on commence à avoir la flemme. Voilà. Une fois qu'on a mis tout le lait, bon, on met toute la farine comme ça, hop. Tu sais, la vie, c'est un peu ça. La vie, c'est de l'impro, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais... Tu sais que c'est dur de faire de la cuisine en même temps que raconter des conneries, hein. Mais j'aime bien le faire.
Parce que c'est un peu un plaisir pour moi de vous apprendre, de vous inculquer des belles leçons, quoi. C'est la meilleure recette, hein, je vous le dis, il n'y a pas mieux sur le marché. Enfin, c'est pas la meilleure recette, mais vu que je l'ai améliorée, c'est devenu la meilleure. Et là, normalement, on se dit c'est fini. On se dit c'est bon, on se dit c'est bien. Eh ben non, on rajoute ce qu'on appelle dans le milieu. Oh, la cuillère qui est tombée dans le truc, personne n'a rien vu. Hein. Non, ne montre pas mon gâchis. On rajoute un petit bouchon de rhum, pas plus. Sinon, on est bourré. C'est pas vrai parce que quand ça cuit, l'alcool disparaît, hein, évidemment. On se rince la main parce que la main en rhum, c'est pas un plat, c'est un être humain et ça se mange pas. Hein. Ni ça se boit non plus, attention. Et là, on termine de mélanger notre préparation. Alors, débrouillarde-moi un petit peu parce que là, tu montres la cuisine, mais c'est aussi moi qu'on veut voir. Tu sais, c'est un peu ça ma chaîne. La Matisenko Family Kitchen, tu sais, c'est aussi Matisse et la cuisine, tu vois, c'est un peu les deux. Donc, détail important, aucun temps d'attente n'est obligatoire, tu vois. Une fois que tu as fait la pâte, bah, tu peux la conserver évidemment si tu veux la faire plus tard. Ce qu'on va sûrement faire d'ailleurs. Peut-être qu'on va en faire un ou deux, mais pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux la conserver, mais t'es pas obligé, tu peux directement l'utiliser. Tu l'as fait, allez, c'est parti, j'ai faim, tu vois, oh ouais, tu crois que je vais attendre toute la nuit, j'ai faim, moi. Je veux me remplir le bide, quoi. Oh, j'ai l'estomac creux, merde. C'est fou, putain, j'ai vu qu'il y avait des plus grosses cuillères juste ici, je viens de me rendre compte maintenant. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc le rhum, c'est important, pourquoi? Parce que ça ajoute de l'amertume, du goût. Les Antilles, la vie, c'est beau, on se croirait dans les îles alors qu'on est confiné chez nous, enfin, couvre-feu, là. On est chez nous, on est enfermé, à minuit, on fait des recettes, là. Normalement, à minuit, on dort. On dort dans un hôtel 5 étoiles au bord de la plage et ben non, on peut pas sortir d'ici. Mais il s'amuse à sonner. Oh, mais c'est pas un moulin. Oh, c'est une cuisine, c'est pas un moulin. On est chez un chef professionnel ici, là. On n'est pas dans de la rigolade. Ils achètent des bonbons. Oh, je leur fais des pancakes, ils achètent des bonbons. Mais montre ça, montre ce scandale. Montre ce scandale. Voilà, bon, reviens ici parce que, de toute façon, on la laisse tomber. Voilà, et bien une fois que la pâte est prête, comme ceci, hop, on enlève ça. Ça, on le pose à côté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la vaisselle aussi. Parce que moi, la vaisselle, je la fais pas. Il n'y a que ma femme qui la fait. Je rigole. Parce qu'elle est pas loin en plus, attention. Non, eh oh, c'est attention, YouTube, je veux qu'on finisse en tendance pour de vrai, mais pour des mauvaises raisons. Bon, une fois que la pâte est prête, pas besoin de la laisser reposer comme je vous ai dit. Alors, vous pouvez mettre une petite huile dans votre plaque, mais comme nous, on n'en a pas, eh ben, on y va au feeling. On prend une cuillère qui est ici, là. On va allumer la plaque d'abord. Maintenant que la poêle est chaude, on a attendu un petit peu parce qu'ici ça chauffe en 3 ans. On prend une louche, bon on n'a pas de louche, on prend une cuillère. On la remplit bien. Oh ça se tait là-bas, ça se tait, il y a une vidéo en cours là. C'est pas possible ça. Et on met au milieu. Bon là évidemment il n'y en a pas assez. Donc on en reprend une deuxième cuillère. Et chez vous vous faites ça correctement, vous avez les ustensiles, si vous ne les avez pas vous allez sur Amazon. Non c'est pas bien, n'allez pas sur Amazon, j'ai rien dit. Voilà bah écoute il fera une bonne taille là, je trouve qu'il est beau. Regarde la gueule que ça. Et là on attend, et tant qu'il n'y a pas des petites bulles qui se créent un peu partout, on ne le touche pas surtout. Hein. Sinon évidemment ça se termine mal. En attendant on peut discuter de la vie, tu sais, oui, bon, bah écoute, voilà, le coronavirus, bon y a que ça, de toute façon en ce moment, qu'est-ce que tu veux discuter? Y a rien. Coronavirus, et qu'est-ce qu'il y a demain? Bah le coronavirus. C'est quoi le top actu aujourd'hui? Ah, bah, c'est le coronavirus comme d'habitude. Vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. Il n'y en a que 3 ici, mais ça arrive, c'est en cours, c'est en chemin, quoi. C'est comme un colis que tu as commandé, tu es sur l'application, tu renouvelles toutes les 15 secondes parce que tu es un stressé de la vie, ou c'est que moi qui fais ça peut-être, et c'est en chemin, t'attends, le postier sonne pas, c'est en chemin, ben là c'est pareil, c'est en chemin, ça commence à se former un tout petit peu partout, tu vois, il y en a un peu tout autour qui arrive, et une fois qu'il y en aura à peu près sur toute la surface, avec la petite truc, heureusement qu'il y a ça, hein, parce que sinon, la merde, hein, je te dis même pas, et hop, on retourne, hop, comme ça, un petit geste vif du poignet. Un peu comme il a fait avec la caméra, à part qu'il va me la niquer. On attend que les bulles se créent, tu sais. Et on attend aussi que la créativité se crée dans mon cerveau, quoi. Tu vois, c'est un peu pour ça que je fais des vidéos de cuisine, parce que j'ai plus aucune idée, là. C'est la fin d'un temps, la fin d'un game, la fin d'une histoire, j'ai envie de te dire. On va prendre une assiette en attendant, parce que c'est important de... Voilà, on va prendre une petite assiette, et après on la portera à la chef. La chef qui est ma femme, évidemment. La bosse. Bon, je pense qu'on est pas mal, regardez, ça fait des petites bulles un peu partout. On tente de l'attraper, parfait, regardez comme c'est beau, hop, oh c'est pas magnifique, et c'est pas magnifique, montre ça, montre comme c'est beau, moi je suis pas beau moi, ça c'est beau, ça c'est du talent, et là on peut un petit peu comme ça le tenir, comme ça, tac, tac. Comment ça va, est-ce que tu te sens bien pancake? Oui je me sens bien, merci pancake de m'avoir communiqué ton état d'esprit, super, et c'est comme ça qu'on fait des très bons pancakes, je vous assure la petite touche de rhum elle est importante. Ils sont bons.
Ça sent super bon, évidemment. On est sur de l'art, on est sur de la cuisine. Là, on est sur de la vraie, quoi. Là, on regarde. Voilà, on peut le mettre encore un petit peu. Si on arrive à l'attraper, évidemment. Ce qui, des fois, est un... Vous voyez ce que je vis, des fois? C'est bon. Non, franchement, c'est magnifique. Là, on a très bien réussi. Il est rond, il est parfait. Tac, 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 tac. Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille. Et c'est bon. Et hop. Et voici un pancake. Tu vas me suivre, on va la porter à la chef. On va lui dire... Venez, on va lui dire. Bonjour mademoiselle, petit joli thé. Non, c'est pas ça. Et voici un pancake pour mademoiselle. C'est pour moi, ça vous remercie. Et voilà. Je goûte un petit peu, après tira le Nutella thé ou le confituré. Juste goûte un petit peu. Là, il est peut-être un peu chaud. Hein. Est-ce que c'est bon? C'est chaud. C'est chaud, Sarah, c'est normal. Mais est-ce que c'est bon? C'est très bon? La petite touche de rhum est importante? Je la sens pas. Tu la sens pas? C'est normal. Il y en a pas. Si, si, il y en a. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On fait des vidéos en ce moment, là on est reparti pour une escalade de bonne humeur, des vidéos toutes les 5 minutes. Là je vais t'en sortir à des heures pas possibles. J'en ai plus rien à faire, je veux revenir dans le game moi. J'étais parti, là je faisais des chansons tous les 3 mois. C'est reparti pour des vidéos un petit peu, on s'ambiance quoi. On s'ambiance. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Peut-être encore dans cet appartement, je sais pas trop dans quel ordre je vais mettre tout ça. Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. J'ai tout dit. Bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, pourquoi pas, parce qu'il est minuit quand même. Il faut se coucher. Ciao ciao à tous. Et n'oubliez pas, la cuisine, c'est bon, surtout quand c'est Mathis qui l'a fait.